السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس chers croyants, nous sommes aux portes de 10 jours sublimissimes. Nous sommes aux portes de 10 jours bénis. Nous sommes aux portes des 10 meilleurs jours de l'année. Les jours durant lesquels l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus aimé. Un moment, une période, des jours déterminés où il y a une grande bénédiction. Des jours qu'Allah Azza wa Jal a anobli, élevé et grandement béni. Et celui qui s'y prépare, qui s'y apprête, de par la connaissance de ses bienfaits, de par la connaissance de leurs bienfaits, de leurs mérites, na'am, on espère en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il réussira les bonnes œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu, a choisi et a décidé d'élever ses jours au-dessus des autres. Et cela est une grande grâce de sa part, une grande générosité et une grande miséricorde envers ses serviteurs croyants, afin qu'on puisse redoubler d'efforts dans son adoration et revivifier notre foi et notre dévotion. Car durant ce moment, le croyant pieux ne manque pas l'occasion de se rapprocher davantage de son Seigneur, de se réformer, de se corriger, de se repentir pour pouvoir s'élever en degré auprès du Seigneur tout miséricordieux, tabaraka wa ta'ala. Ces grands jours, ces jours bénis, sont des jours précieux. Il s'agit des 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, le dernier mois de l'année. Il s'agit des 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, le dernier mois de l'année. Allah les a choisis, les a préférés et leur a accordé de grandes particularités. Ce sont les meilleurs jours de l'année. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Ces jours sont donc remplis de spécificités et de particularités. Parmi ces spécificités, أقسم الله سبحانه وتعالى بها فقال تبارك وتعالى في كتاب العزيز والفجر وليال عشر. Parmi les spécificités de ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, le fait qu'Allah Azza wa Jal est juré par ses nuits. Dans sourate Al-Fajr, Allah Azza wa Jal jure par Al-Fajr puis par les 10 nuits. Ibn Abbas et d'autres parmi les exégètes du Coran ont dit il s'agit des 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Allah Azza wa Jal a juré par ces moments-là pour l'élever, par ce moment-là pour l'élever, le singulariser et qu'on en connaisse sa grande valeur. Deuxièmement, yal ayyamul ma'lumat allati shara'a Allah subhanahu wa ta'ala fiha. Ce sont les jours déterminés,
Ce sont les jours connus durant lesquels Allah Azza wa Jal nous a légiféré l'ajout de sa mention, de son rappel. Il nous dit dans Sourate Al-Hajj, وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ. Ou plutôt, وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Afin qu'il mentionne Allah, ou bien afin qu'il mentionne le nom d'Allah durant des jours connus. عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. De par ce qu'il leur a octroyé comme bestiaux. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, il s'agit de la mention d'Allah dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Troisièmement, هِيَ خَيْرُ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ. Ce sont les meilleurs jours pour les bonnes œuvres et l'adoration d'Allah Azza wa Jal. En effet, il n'y a pas un serviteur qui se rapproche davantage d'Allah en l'adorant dans un moment où Allah aime plus l'adoration que ces 10 premiers jours, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous rapporte d'après le hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min ayyam » العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, il n'y a pas de jour durant lesquels la bonne œuvre est plus aimée auprès d'Allah que ces jours-ci, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Quatrièmement, أنها أيام اجتمعت فيها أمهات العبادات والطاعات وهي لا تجمع في غيرها. Ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah ont comme spécificité le fait que les plus grandes adorations, on les trouve réunies dans ces 10 premiers jours. Et on ne les trouve pas réunis dans un autre moment de l'année. Ce sont les adorations et les obéissances mères qui se sont réunies ou qu'Allah a réunies dans ce moment. Et cela n'a pas été le cas pour une autre période, dans un autre mois. Et l'Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, dans Fethul Bari nous dit, et ce qui apparaît, c'est que la spécificité de ces jours comme étant les moments durant lesquels l'adoration d'Allah est le plus aimé auprès de lui, c'est le fait qu'on ait réuni les adorations mères dans ce moment. En effet, on y trouve la prière, on y trouve le jeûne, on y trouve l'aumône, on y trouve le pèlerinage. Et beaucoup d'autres adorations aimées par Allah tabaraka wa ta'ala et ordonnées. Cinquièmement, ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala mawsiman lil-hajj, li-hajj baytillah al-haram, wa huwa ruknu al-khamis min arkan al-islam. Allah azza wa jal a mis dans ses 10 premiers jours le cinquième pilier de l'islam. Ce grand rendez-vous annuel recherché et visé par les croyants du monde entier, el-Hajj, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Le huitième jour de Dhul-Hijjah, il y a Yawmu At-Tarwiyah. At-Tarwiyah, c'est le fait d'abreuver. On l'a appelé Tarwiyah car on abreuvait les bêtes. Ce jour-là, on prenait des provisions pour aller à Mina car il n'y avait pas de point d'eau. Donc le pèlerinage commence le huitième jour de Dhul-Hijjah. Et ce jour-là, les gens sortent de Mecca en mentionnant Allah Azza wa Jal, en se mettant en état d'ihram, et ils se dirigent vers Mina en prononçant la Talbiyah, en mentionnant Allah le Seigneur des mondes. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, la sharika lak.
Je réponds à ton appel. Ô Allah, je réponds à ton appel avec amour et empressement. Tu n'as pas d'associé. Toutes les louanges et la royauté t'appartiennent. Ou toutes les louanges et les bienfaits t'appartiennent. Tu mentionnes cela jusqu'à arriver à Mina, le cœur rempli d'amour pour Allah, de crainte et d'espoir en Allah, Azza wa Jal, espérant la récompense et l'expiation des péchés. Ceci a lieu le 8e jour de Dhul Hijjah. Les gens sont à Mina. Le 9e jour, ils partent à Arafah. Et le jour de Arafah est le meilleur jour sur lequel s'est levé le soleil. C'est un jour d'expiation de fautes, de péché, d'expiation de fautes, d'effacement et de pardon pour les péchés. C'est un jour de dhikr et de dua. C'est un jour où Allah Azza wa Jal se vante de ses serviteurs. Le jour de Arafah est un jour qui a une grande singularité, une grande particularité en islam. Et ce jour-là, celui qui le jeûne, se verra pardonner, effacer les péchés de l'année passée ainsi que l'année à venir. Puis, les gens se dirigent à Muzdalifa, au coucher du soleil, et le lendemain, ils se lèvent dans le plus grand jour de l'année, le 10e jour de Dhul Hijjah, Yomul Hajj al-Akbar, Yomul Eid, le jour où il y a les plus grandes actions du pèlerinage. Na'am, ils se dirigent pour jeter les pierres sur la stèle. Ils se dirigent pour aller faire le tawaf, tawaf al-ifada, ils se dirigent pour se raser la tête, ils sacrifient la bête, Naam, ils reviennent à Mina. C'est un grand jour, c'est le meilleur jour de l'année, selon l'avis prépondérant de beaucoup de nos grands savants. Et c'est également le jour du Eid, le jour où la joie pénètre le cœur des croyants du monde entier. C'est le jour du sacrifice. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: "A'zamul ayyam 'inda Allah yawm an-nahr." Le plus grand jour, le jour le plus immense auprès d'Allah est le jour du sacrifice, c'est-à-dire le 10e jour du mois de Dhul Hijjah. Après avoir compris cela, chers frères, après avoir entendu cela, chers croyants, que vas-tu faire durant ces jours? Qu'as-tu l'intention d'accomplir durant ces jours? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, nos langues et nos actes afin d'entrer dans ces jours le cœur propre, le cœur plein d'espoir dans la récompense d'Allah, plein d'espoir pour obtenir le pardon d'Allah, plein de dévotion et de motivation pour se rapprocher davantage d'Allah, El Mawla subhanahu wa ta'ala. Tu as compris que ce sont les meilleurs jours et durant lesquels l'adoration est le plus aimée chez Allah. Tu n'as pas le droit, toi, ô le croyant, de prendre ces jours comme n'importe quel autre jour de l'année. Est-ce qu'il convient aux croyants pieux qui aiment Allah et son messager et qui espèrent la rencontre avec son Seigneur, son Créateur, dans les meilleures conditions, de laisser passer cette occasion précieuse et sublime de se voir obtenir une place chez Allah et l'agrément auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Ce sont des jours où même le croyant qui était loin de son Seigneur peut se rattraper, se voir expier ses fautes et pardonner. Comment pourrions-nous, chers croyants, laisser passer ces jours comme n'importe quel autre jour, même si cela, dans des autres jours, n'est pas convenable? Comment pourrions-nous laisser passer les meilleurs jours de l'année en matière d'adoration, alors que les commerçants, ceux qui recherchent ce bas monde, lorsqu'il y a les soldes ou lorsqu'il y a une grande brocante ou une réunion où les gens vont se déplacer et venir, où il y a beaucoup de bénéfices à obtenir, ils se préparent des semaines, voire des mois en avance.
ils achètent la marchandise et la font envoyer. Ils font des pieds et des mains pour réussir ce moment, pour réussir cette vente, car ils savent que ce moment est le meilleur moment de l'année pour obtenir de larges et de grands bénéfices. Naam, pour obtenir de larges et de grands bénéfices. Et pour cela, ils font des sacrifices. Pour cela, ils dorment bien moins et ils passent des journées et des nuits blanches. Ils dépensent leur temps et ils sacrifient du temps de leur famille, de leurs enfants et les préparent à cela. Et l'ensemble d'un commun accord convient d'endurer et de patienter. Car un court moment, beaucoup d'efforts pour obtenir beaucoup de bénéfices. S'il en est ainsi pour ceux qui commercent pour obtenir la récompense de ce bas monde, à plus forte raison, dans le commerce avec Allah, le généreux, le vivant qui ne meurt jamais, le meilleur des pourvoyeurs, Eshakur, celui qui reçoit peu, multiplié, donne avec largesse en multipliant. Celui avec qui tu peux faire un commerce où il n'y a aucune perte et aucun risque, ceci est le plus grand des commerces. Le commerce avec Allah, le commerce dont le bénéfice nul ne connaît si ce n'est Allah. Notre Seigneur nous dit dans son noble livre, « Inna alladhina yatluna kitab Allah, wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. » يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ. Ceux qui psalmodient le livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent de ce dont nous leur avons accordé, en secret comme en public, ils espèrent un commerce qui ne disparaîtra jamais. Ce commerce, cette récompense, ce bénéfice qu'ils espèrent, c'est l'agrément de leur Seigneur. C'est la réussite de par l'obtention de l'énorme récompense. C'est le salut face à la colère d'Allah, comme l'a expliqué Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala dans son tafsir. Allah nous dit également, « Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dhalika al-fawz al-'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib. Wa bashshir al-mu'minin. Dans, après avoir mentionné le verset de Suratu Fatir, ici dans Suratu Saf, Allah Azza wa Jal nous mentionne dans ces versets et nous appelle par l'appellation noble de la foi. Ô vous qui avez eu la foi, ne vais-je pas vous orienter vers un commerce qui vous sauvera du châtiment douloureux? C'est un commerce, le but n'est pas le bénéfice pécunier en or ou en argent, non, mais le salut face au châtiment douloureux d'Allah. Quelle est la condition que vous ayez foi en Allah et en son messager et de faire des efforts sur le chemin d'Allah avec vos biens et vos personnes? Voici ce qui est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Quelle est la récompense? Qu'est-ce qu'il vous donnera? Yaghfir lakum dhunubakum. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et dans des bonnes demeures dans les jardins d'Éden. Voici l'énorme succès, l'énorme réussite. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à un commerce avec lui. C'est le riche qui n'a besoin de personne. C'est le pourvoyeur, le généreux, le créateur. Mais il nous appelle pour nous, car nous nous sommes pauvres auprès d'Allah, besogneux auprès d'Allah. On ne peut se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Afwan, on ne peut se passer de lui, ni même le temps d'un clin d'œil. Allah azza wa jal nous appelle à un commerce avec lui. Donner du temps pour lui, apprendre pour lui, l'adorer lui seul sans associer, suivre son prophète et son messager, se rapprocher de lui en empruntant le chemin de la droiture. Avec la sincérité, le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam,
Il ne s'agit pas des commerces de ce bas monde, il s'agit du plus grand des commerces. Celui dans lequel on doit fournir les principaux efforts. Celui dans lequel il n'y a pas de risque et où le garant, le donateur est Allah Azza wa Jal. Et où l'émissaire qui vient contracter ce contrat est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et où le bénéfice et le salut face au feu de l'enfer et l'énorme récompense. Dhalika al-fawzul azim. Et si le commerce de ce bas monde occupe et préoccupe le cœur des gens dans ce bas monde, il faut que le commerce avec Allah en occupe la plus grande part, en occupe la plus grande part de par l'accomplissement des œuvres pieuses et de la servitude pour Allah Azza wa Jal. Ceci est le vrai commerce avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, où il n'y aura jamais de perte. Tijaratan lan tabur. Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les gens dans Suratul Jumu'ah face au commerce. Ceux qui font du commerce mais ne se laissent pas distraire de l'adoration d'Allah azzawajal et des obligations, et ceux qui s'adonnent au commerce au point de devenir insouciants et distraits. Allah nous dit: wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan fadhu ilayha wa tarakuka qa'ima. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah Azza wa Jalla dans ce verset nous enseigne que lorsqu'il voit du commerce ou des futilités, il se détourne du prophète alayhi salatu wassalam et de son prêche, de son rappel, et le laisse seul debout. Dit: ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur. Subhanallah, c'est meilleur que tous ces commerces, toute cette dunya. Et Allah est le plus grand, ou plutôt le meilleur des pourvoyeurs. On n'interdit pas le commerce et la recherche de sa subsistance. C'est une nécessité et parfois une obligation. Mais on ne doit pas oublier le plus grand des commerces, le commerce avec Allah. Et fait partie de la... ou plutôt, et certes, la faiblesse de foi empêche d'être... de sortir de l'insouciance lors de la venue de jours sublimes comme les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Quel est donc le remède? Quelle est donc la préparation pour laquelle il nous faut opter et dans laquelle il nous faut être déterminés pour espérer avoir la récompense chez Allah et enfin dans l'au-delà rentrer dans la demeure de la félicité? Kayfa nastaqbilu hadhihi al-ayyam al-'idham hatta nafouza birid ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. On accueille ces jours, on se prépare pour ces jours avec un repentir sincère, en regrettant le péché, en l'abandonnant, en ayant la ferme intention de ne plus le réitérer, en s'empressant de le faire. Et si c'est un droit qui appartient à autrui, en lui restituant. Allah Azza wa Jal nous dit dans son noble livre: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dans Surat An-Nur: et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, ainsi vous obtiendrez le succès. Les péchés alourdissent le serviteur dans son acheminement vers Allah et la demeure de l'au-delà. Les péchés assombrissent et noircissent le cœur du serviteur, alors il est insouciant dans ses nobles moments. Deuxièmement, bil farah wal istibshar. On doit se réjouir de l'arrivée de ces jours et on doit être heureux, car c'est un moment où on va pouvoir concrétiser ce pourquoi nous avons été créés. Allah nous dit dans son noble livre: qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Dit: par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est-à-dire cet islam et ce Coran qui a été révélé, de cela qu'ils se réjouissent. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent réunir, c'est-à-dire comme bienfait de ce bas monde. Troisièmement, tu avances face à ces jours avec une haute détermination. Une fois qu'ils seront présents, une fois que tu t'y trouveras, tu seras dans la dévotion, dans l'obéissance d'Allah et son adoration, seul sans associé wahdahu la sharika lah. Tu seras dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et tu prendras pour exemple les pieux prédécesseurs dans les efforts à fournir durant ces 10 jours. Tu as la détermination, une fois ces jours entrés, de préserver les obligations et d'ajouter les actes recommandés.
Allah Azza wa Jal, ou le prophète Naam, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, à la fin de Sourate Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui font des efforts dans notre sentier, nous les guiderons dans nos chemins. Et certes, Allah est avec les gens de l'excellence. Quatrièmement, tu accueilles ces jours avec Ad-Dua, car l'ordre tout entier est détenu auprès d'Allah. C'est lui qui décide, qui guide et égare. C'est lui qui élève et rabaisse. C'est lui qui donne et retient. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal la réussite pour ces jours-là. Et la grande question qui se pose naturellement, ماذا نعمل في هذه الأيام? Après avoir vu le mérite et la singularité de ces 10 premiers jours, après avoir mentionné leur spécificité, après avoir parlé du commerce avec Allah, puis mentionné comment il convenait d'accueillir ces jours-là, voyons maintenant ce qu'il convient de faire et comment œuvrer dans ces 10 premiers jours. Premièrement, il y a les actes récurrents et quotidiens, à savoir les obligations et les actes recommandés que nous faisons toute l'année. At-tawhid, les 5 prières obligatoires, la prière du witr, an-nawafil, na'am, la bienfaisance envers les parents, l'éducation des enfants, le bon voisinage et tout ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Ce qui est fait quotidiennement, sachez que de le faire dans ce moment-là est plus aimé encore chez Allah. Il faut donc redoubler d'efforts de vigilance et préserver ses obligations et ses actes recommandés. Deuxièmement, ou pour preuve, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par des actes plus aimés auprès de moi que ceux que je lui ai rendus obligatoires. Dans ce hadith Qudusi, on nous apprend que ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qu'il nous a rendu obligatoires. Puis on rajoute les actes recommandés. وَلَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Donc voici ce qu'il convient de faire durant ces 10 jours. Ceci étant dit, il y a en second plan des actes, quand je dis en second plan, c'est-à-dire deuxièmement, pas pour minimiser la chose, car toute l'adoration d'Allah est immense, il y a ensuite des actions qui sont spécifiques à ces jours, qui sont spécifiques à ces jours, à savoir Al-Hajj. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder le pèlerinage, à savoir le Hajj. Deuxièmement, Al-Udhiyah, le sacrifice entre le 10e jour du Dhul-Hijjah et le 13e. Troisièmement, Dhikrullah wa Takbir, le rappel d'Allah, sa mention et le fait de mentionner sa grandeur. Et ce, dès l'entrée de Dhul-Hijjah jusqu'au coucher du soleil du dernier jour de Ayyamut Tashriq, c'est-à-dire le 13e. Enfin, le jeûne du jour de Arafah. Voici quatre actions spécifiques aux 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Le pèlerinage, le sacrifice, le rappel d'Allah et le jeûne du jour de Arafah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: صيام يوم عرفة احتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية أو السنة التي قبله والتي بعده. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit au sujet du jeûne du jour de Arafah: j'espère en Allah qu'il expie les fautes de l'année passée et de l'année à venir. Rapporté par l'imam Muslim. Et certains parmi les plus prédécesseurs visaient ces jours-ci pour le rattrapage des jours manqués du jeûne du mois de Ramadan. Donc ce sont des jours particuliers. Quant au fait de jeûner les 10 derniers jours en pensant que le prophète l'a fait, on n'a pas de texte sur cela, mais il y a les textes généraux.
qui encourage aux bonnes œuvres et le jeûne fait partie des bonnes œuvres. Ibn Omar et Abu Huraira radiallahu anhuma sortaient au marché durant ces 10 jours. Et ils faisaient beaucoup de takbir à voix haute. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et les gens les suivaient dans cela et élevaient leur voix. Parmi les bonnes œuvres, de manière plus générale, il y a la lecture du Coran, sa méditation. Il y a la bienfaisance envers les parents. Il y a as-sadaqa. Il y a la bienfaisance envers les voisins. Na'am, il y a l'étude de la science. Et parmi les plus grandes œuvres par lesquelles Allah Azza wa Jal nous a clôturé ces 10 jours, il y a le jour du Eid, la prière du Eid. Il y a le dhikr en ce jour, il y a la joie et le fait de faire entrer la joie dans le cœur des croyants ce jour de fête. Na'am. Car fêter l'Eid est une adoration. Eid al-Adha, le plus grand des deux Eid, de nos fêtes, les musulmans. Et il y a aussi l'Udhiyya, après la prière du Eid, jusqu'au 11e, 12e et 13e jour. Et en cela, tu t'associes au pèlerin qui lui va sacrifier l'Hadi. A sacrifié 63 bêtes ou a sacrifié 63 bêtes de sa main et fait sacrifier le reste pour atteindre 100 bêtes. Naam. Ou en tout 63, j'ai oublié. Quoi qu'il en soit, 63 bêtes au minimum ont été sacrifiées, c'est son âge. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tu t'associes aux pèlerins dans cette grande action. Allah nous dit dans le Coran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. En ce... Mada, durant ces jours, il y a donc le sacrifice. Et un rappel important, celui qui veut faire le sacrifice, na'am, celui qui veut faire le sacrifice, al-udhiyya, doit savoir que Umm Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut sacrifier al-udhiyya, qu'il ne touche rien de ses ongles ni de sa peau une fois le mois de Dhul-Hijjah entré, jusqu'à ce qu'il sacrifie. Donc on fait attention à cela. J'ai dit de sa peau, na'am, je voulais dire de ses cheveux, de ses ongles et de sa peau, na'am. Celui qui va payer la bête et sacrifier la bête est visé par cela sans divergence ou sans aucun doute. Mais quant à celui qui délègue, il y a une divergence à ce sujet. Et le mieux est de sortir de la divergence en attendant que la bête soit sacrifiée. Quant aux conditions de la bête et aux règles relatives au sacrifice, Inch'Allah Ta'ala, d'ici quelques jours, il y aura une conférence à ce sujet. Pour finir, mes très chers frères, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, comme vous le savez tous, nous dit dans son livre: وَمَا خَلَقْتُ الْدِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ إِلَّا يُوَحِدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient d'un culte sincère. Et dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, les emblèmes du tawhid sont apparents, sont érigés, élevés, et nous devons de les concrétiser. Premièrement, à travers le pèlerinage. Allah nous dit dans son livre: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est à Allah, et c'est pour Allah qu'il incombe aux gens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Quant à celui qui mécroit, certes Allah se passe largement des mondes. Ici, on nous dit c'est pour Allah. Et ça c'est le tawhid. C'est pour Allah seul sans associer qu'il faut faire le pèlerinage. Ça c'est le tawhid. Le fait de viser exclusivement et uniquement Allah dans le culte, particulièrement dans le pèlerinage, cette grande adoration.
Deuxièmement, on nous dit وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. On nous montre ici, à travers le tawhid d'Allah dans l'asma et sifat, qu'Allah Azza wa Jal n'a besoin de rien ni personne, ni de notre adoration. Allah se passe largement des mondes parce qu'il a la perfection absolue. C'est Al-Qayyum, c'est Al-Samad, c'est Al-Khaliq Al-Alim, Al-Qawi Al-Aziz, Tabaraka wa Ta'ala. Deuxièmement, à travers le dhikr, à travers le takbir, il y a la concrétisation du tawhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Lorsque tu dis Allahu Akbar, tu mentionnes qu'Allah est le plus grand, il est plus grand que tout. Et s'il est plus grand que tout, comment est-ce que tu pourrais adorer un autre que lui alors que c'est lui le plus grand, le plus élevé, le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala, dans ses noms, dans ses attributs, dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans son jugement, dans ses na'am, dans son jugement, dans sa volonté, tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. Walillahi alhamd. Tu mentionnes que toutes les perfections appartiennent et sont auprès d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, tu concrétises le tawhid dans le dhikr. Troisièmement, il y a le shiyam, le jeûne, comme le jeûne du jour de Arafah. Et le jeûne, c'est entre toi et Allah secret. Et c'est ça, la sincérité. C'est une chose que seul Allah voit dans ton cœur. Ainsi, tu concrétises le tawhid avec le jeûne. Il y a le sacre. Il y a ensuite, quatrièmement, dhabhul adahi, le sacrifice des bestiaux, des sacrifices pour te rapprocher d'Allah. Allah te dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umir wa ana awwalul muslimin. Qala Allah fasalli li rabbika wanhar. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Ici il y a le tawhid dans le sacrifice. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Pour ton Seigneur et nul autre que lui. C'est ça le tawhid. C'est ça l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est une adoration qui ne sied qu'à sa qu'à lui, tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Tu sacrifies le cœur plein d'espoir en lui, d'amour et de crainte qu'il n'accepte pas. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, car certes Allah n'accepte que des gens pieux. Donc, le sacrifice est un rappel du tawhid. En outre, le sacrifice est un rappel du tawhid car tu vas dire Bismillah de manière obligatoire et Allahu Akbar de manière recommandée. Donc, tu vas mentionner le nom d'Allah Azza wa Jal et c'est ça le tawhid. Donc, le pèlerinage, le sacrifice, le dhikr, tout cela nous rappelle le tawhid, ce pourquoi nous avons été créés et ça nous aide à le concrétiser. Donc, ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah sont les meilleurs jours de l'année. Tout comme la nuit de Laylatul Qadr est la meilleure nuit de l'année. Et les 10 dernières nuits de Ramadan sont les 10 meilleures nuits de l'année. Na'am. Il faut donc revenir à Allah Azza wa Jal et ne pas perdre cette occasion d'obtenir l'énorme récompense et le succès. Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de serviteurs pieux, les prophètes et ses rapprochés, ses bien-aimés, en disant « Oulaïka yusari'ouna fil khayrat, wahum laha sabiqoun » Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il s'empressait dans les bonnes œuvres et dépassait les autres. Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'accourir vers les bonnes actions et de les accomplir. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ Ou plutôt, وَفْعَلُوا الْخَيْرَ et faites le bien. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de nous concurrencer dans les bonnes œuvres. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Allah nous a ordonné d'accourir vers un paradis et vers un pardon de sa part. En disant وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ Et accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis vaste comme les cieux et la terre. Et prenons garde à repousser l'accomplissement du bien et les bonnes œuvres. Car on ne sait pas si l'année prochaine on sera encore présent et vivant. Où sont ceux qui disaient « Je ferai le hajj l'année prochaine » Ils ont eu des empêchements et il y a eu du changement. Ne sois pas à l'image de celui qui dit « Je serai bienfaisant vers ma mère » ou sont ceux qui avaient leur mère et désormais les sous terre. Ne sois pas à l'image de celui qui disait « Je vais me repentir et vers Allah je vais revenir. » Ils étaient sur la terre et désormais ils sont sous terre. Ne sois pas à l'image de celui qui dit « Saufa, saufa, saufa »
Puis la porte entre lui et le Mawla, El Janna, s'est refermée. Abdullah ibn Omar nous disait, إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. Lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin, et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir, et prends de ta vie pour ta mort et de ta bonne santé pour ta maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, badiru bil a'mal, empressez-vous de faire les bonnes œuvres. Et il nous disait, l'un de vous ne sait pas ce qui peut lui arriver. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tout ce que vous avancez pour Allah, tout ce que vous avancez comme bien, vous le trouverez auprès d'Allah. Plus grand et plus fort en récompense, et demandez pardon à Allah. Certes, Allah est grand pardonneur, très miséricordieux. Ces 10 jours, nous sommes aux portes de ces 10 jours. On demande à Allah Azza wa Jal de nous garder en vie et de nous permettre de se rapprocher de lui et de réussir ce test et cette épreuve. Qu'Allah nous sorte de l'insouciance, nous accorde la grande récompense et fasse de nous des clés qui ouvrent le bien vers le mal, et ne fasse pas de nous des clés qui ouvrent le mal et qui ferment le bien. Hadha wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.